Salut à tous, la Team OL, Thomas Mcho pour OL Fan TV. Dernier débrief. Débrief avant la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Il fallait absolument gagner pour vraiment consolider une place sur le podium et pour cette Ligue des Champions notamment. Il fallait absolument faire un bon résultat contre Caen. C'était un dernier effort collectif avant de pouvoir savourer et de se dire que malgré une saison compliquée où il y a eu beaucoup de rebondissements, où il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de déséquilibres, beaucoup d'incapacité à créer du jeu sur le long terme, eh bien on peut se satisfaire au moins d'avoir cette place sur le podium. Je crois que c'est la 16e fois en 20 ans qu'on a cette place sur le podium, ce qui est vraiment très très bon quand même. On peut se féliciter d'au moins cette qualification acquise en Ligue des Champions. Elle passera ou non par deux tours préliminaires de transition finalement. Et sinon, si Chelsea gagne l'Europa League, bien évidemment, eh bien normalement nous devrions être qualifiés directement en Champions League, et ça serait quand même un luxe. Voilà, je vous le disais, on va finir une saison, en tout cas à domicile, qui a été vraiment compliquée. Aujourd'hui on retient que cette troisième place, synonyme finalement de podium et de qualification en Champions League, mais franchement que ça a été dur sinon. En Ligue des Champions, bien évidemment, on a eu quelques moments où on a pu rêver, notamment contre Manchester City, contre Barcelone, on s'y est cru, moi le premier, et puis beaucoup de déceptions, que ce soit Coupe de la Ligue, Coupe de France, où le sentiment du devoir non accompli, en tout cas dans ces compétitions-là, qui ont eu raison ces résultats de l'avenir de Bruno Genesio, qui, à la fin de la saison, bien évidemment, partira. D'ailleurs, les supporters lyonnais, les Bad Guns ont déployé une banderole à peu près la même que la saison dernière, mais avec une fin différente, en lui souhaitant une bonne route finalement à Bruno Genesio, en se quittant bons amis, on se serre la main, merci pour tout et puis au revoir, à bientôt, bonne chance à toi. Voilà, c'était ça aussi cette saison, c'était le rapport avec le public, entre le public et Bruno Genesio, qui a été très compliqué. Le rapport aussi avec nos joueurs, il faut pas l'oublier ça, nos joueurs qui, dans la défaite, ont trop souvent oublié nous, les supporters, et ça, c'est bien dommage. Bon, malgré tout, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Voilà, contre Caen, avec un match insipide en première mi-temps, on va pas se mentir. C'était encore une fois un résumé de tout ce qui s'est passé cette saison de mauvais en termes de jeu, en termes d'efficacité, en termes d'envie, en termes de bloc offensif, de transition offensive-défensive. Ça a été très très compliqué. Et puis au retour des vestiaires, il y a eu peut-être encore une fois une prise de conscience collective dans les vestiaires. Vous voyez, ça c'est encore une fois l'Olympique Lyonnais sous l'ère Genesio. Ça fait trois ans où on joue une mi-temps sur deux, les Gones, et ça aujourd'hui ce n'est plus acceptable. Malgré tout, on a gagné 4-0 plutôt aisément, on peut dire. En seconde mi-temps, on a passé la surmultipliée. Au niveau des statistiques générales de ce match, 16 tirs côté Lyonnais, 7 tirs côté Canet, 8 cadrés pour l'Olympique Lyonnais, soit la moitié des tirs cadrés, 2 tirs cadrés seulement côté Canet, et puis 98 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais, 74 passes réussies dans le dernier tiers pour Caen. Eh bien les Gones, c'est assez faible en tout cas, moi je trouve. 98 passes réussies dans le dernier tiers, c'est une statistique moyenne, mais qui est due surtout à une première mi-temps, que je vous l'ai dit, catastrophique. 9 centres côté Lyonnais, 16 centres concédés côté Canet. Ils ont fait 16 centres quand même, 30 tacles réussis côté Lyonnais, 19 tacles réussis côté Canet. Vous voyez, c'était un match quand même engagé, parce qu'on le rappelle, Caen devait absolument faire un bon résultat pour espérer le maintien. 47% de possession dans le camp Canet et 53% de possession dans le camp Lyonnais pour les Canets. Vous voyez, on n'était pas si haut que ça, surtout en première mi-temps. Vraiment, on paye une première mi-temps vraiment cata. 11 passes réussies dans la surface sur 19, c'est plutôt pas mal ça côté Lyonnais. 5 passes réussies dans la surface sur 11 côté
Canet. Et puis au niveau des expected goals, on aurait dû marquer 3 buts, on en a marqué 4, mais attention, un petit peu faussé par le fait qu'on a eu un penalty où on a 76% de chances de réussir. Le penalty, on l'a raté. Donc vous voyez, c'est un petit peu faussé et 0,2 buts pour Caen. Voilà, vous voyez, ils n'ont pas été du tout réalistes. La qualité de leurs occasions a été pas terrible du tout, du tout, du tout. Et au niveau des non-shot expected goals, c'est-à-dire les buts attendus dans le jeu, sans tir, ça reflète pour moi vraiment la création du jeu, ce que le jeu a apporté vraiment sur les buts. Eh bien, l'Olympique Turin aurait dû marquer 1,2 buts. Donc là, ça pose la question de vraiment l'efficacité de notre jeu et l'efficacité de notre jeu dans la création d'occasion. Et regardez, c'est assez édifiant. Alors, les Canets, ils auraient dû marquer 1,5 but dans le jeu sans tir. C'est-à-dire qu'ils ont été au-dessus de nous, ils ont créé plus de jeux. Et au final, eh bien, c'est nous qui avons vraiment clairement surperformé sur le terrain, qui avons mis les buts, qui avons été plutôt réalistes, notamment en seconde mi-temps. Donc ça, c'est une statistique intéressante. Vraiment, l'OL, on ne peut pas dire qu'on a fait vraiment un grand match. Hein. Il faut pas se mentir, hein. Quand on fait une mi-temps sur deux, on fait pas un grand match. Même si on gagne 4-0, c'est vraiment après avec nos qualités individuelles notamment, on a marqué des très beaux buts et puis on a marqué avec des joueurs qui sont capables bien évidemment de marquer dans les moments décisifs parce que ça fait partie de leur qualité individuelle. Au niveau des statistiques individuelles, je reprends le terme, je me répète, Anthony Lopez, il fait une bonne prestation. Pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 et de très loin, et peut-être le meilleur gardien d'Europe. J'espère qu'il aura le titre d'ailleurs de meilleur gardien de la Ligue 1. Il le mérite. Il mérite aussi sa prolongation de contrat qui se fait toujours attendre. Il a fait un bon match. Il a été sérieux. Il a fait une très très belle parade, notamment en première mi-temps. Petit bémol, c'est peut-être ses relances au pied qu'il devra absolument travailler. Ça, c'est un axe d'amélioration, je pense, pour la saison prochaine, s'il reste travailler ses relances au pied. Là, ça n'a pas été du tout terrible, ses relances au pied. Mais bon, voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à Anthony Lopez. Marcelo, oui, parce que je n'ai pas dit, l'équipe, c'était un 4-2-3-1. Finalement, on est resté dans la tactique utilisée avec Nabil Fekir, qui était absent aussi, je le rappelle, avec Denaya. Eh bien, on a mis juste en numéro 10, on a mis Memphis Depay, on a titularisé Moussa Dembélé. Marcelo, je le disais, 60 passes réussies sur 65, c'est le record du match tout simplement, c'est très bon. 7 dégagements, c'est le record du match aussi, il est présent Marcelo, il a fait un bon match selon moi, hein. Vraiment sérieux, présent quand il le faut, ça fait vraiment quelques matchs qu'il est plutôt intéressant. Alors bien sûr, c'est pas non plus une opposition incroyable aussi qui s'oppose à lui, mais voilà, il a quand même subi beaucoup de critiques et là je trouve qu'il fait une fin de saison très très correcte, voire même correcte plus plus. Jérémy Morel, titularisé pour la deuxième fois d'affilée, Jérémy Morel que j'ai croisé cette semaine, qui était complètement désabusé du fait qu'il n'ait pas été utilisé pendant pratiquement 3 mois. Eh bien là, il est titularisé, il profite de l'absence, surtout de Denayer. 42 passes réussies sur 50, ce qui est correct. 2 interceptions et 4 dégagements. Ça a été un match très sérieux de la part de Jérémy Morel, toujours dans le combat. Il a fait une perte de balle, je crois, en première mi-temps, qui aurait pu vraiment nous coûter très très cher. Mais à part ça, il a été plutôt vigilant, il a été sérieux, il a été comme on a l'habitude de le connaître au final, Jérémy Morel. C'est un vrai joueur de devoir et voilà, il finit cette saison en tout cas à domicile d'une bonne manière, je trouve. Léo Dubois, titularisé à droite, qu'on annonce peut-être comme l'un des futurs capitaines de notre équipe. 4 tacs réussis sur 5, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et puis 2 dégagements. Un match très très défensif de la part de Léo Dubois qui sans être extraordinaire, a fait son match. Léo Dubois, on aurait, je pense, attendu plus de lui offensivement. C'est un peu dommage. Moi, je trouve que depuis quelques temps, il est moins à l'aise offensivement. Ses centres sont beaucoup moins précis. Alors peut-être que lui aussi, une baisse de forme physique.
C'est possible, hein, c'est possible. Léo Dubois qui va participer normalement à l'Euro l'Euro Espoir, il me semble, c'est bien ça. Vous me direz si je fais erreur, je crois que c'est l'Euro Espoir du 16 au 16 juin, je crois qu'à partir du 16 juin, il me semble. Bref, vous me direz en commentaire si je me trompe. Léo Dubois, voilà, qui fait un match correct, mais sans plus. Ferland Mendy, titularisé à gauche, 45 passes réussies sur 55, c'est pas mal. 9 passes réussies dans le dernier tiers sur 10, c'est très bon. C'est très bon pour lui. 0 centre réussi sur 2, c'est la statistique un peu qui pêche, je trouve. C'est pareil, il faut qu'il trouve un peu de régularité sur ses centres. 2 duels réussis sur 2, 7 ballons récupérés, 3 tacles réussis et 2 dribbles réussis, record du match. Un bon match de la part de Ferland Mendy quand même, très présent, très concentré, vraiment très concentré du début à la fin. Voilà, lui qu'on annonce aussi du côté du Real Madrid pour 50 millions d'euros. Eh bien, pour moi, il faudra absolument essayer de le conserver. En tout cas, si on veut avoir une chance peut-être de construire une équipe stable. Voilà, il faudra absolument essayer de gagner nos meilleurs éléments. Tanguy Ndombele, a priori, on cherche à tout prix à le vendre parce que c'est peut-être la meilleure valeur marchande. Mais voilà, pour moi, Ferland Mendy, il doit encore faire une saison à Lyon avant de se lancer à l'étranger. Mais ce n'est que mon avis. Oussem Aouar, titularisé dans le double pivot. Eh bien, Oussem Aouar, 3 passes clés, record du match. Et puis, 6e passe décisive sur cette saison pour Oussem Aouar, qui a été, je trouve, étincelant hier, notamment en seconde mi-temps. Dès qu'il joue dans l'axe et plus haut sur le terrain, il est très très intéressant en soutien des joueurs offensifs. Il apporte toute sa clairvoyance. Dès qu'il joue à une touche de balle, dès qu'il joue rapidement vers l'avant, il a cette vista qui est franchement très bonne. Donc c'est pour ça, je suis un peu entre deux eaux avec lui. Je suis un peu, comment dire, divisé parce que il a fait quand même de très belles choses cette saison, mais par intermittence. Il doit gagner absolument en constance. C'est un jeune joueur, mais aujourd'hui, si vous voulez réussir au plus haut niveau, je pense qu'il faut gagner en régularité. Et cette régularité, je l'ai répété tout au long de la saison, elle est primordiale, notamment pour Oussem Aouar, qui est promis à un grand avenir. On l'annonce, lui, du côté de Manchester City. Je pense qu'on fera tout, en tout cas pour le garder. Il faut aussi sûrement qu'il gagne en maturité. Il ne peut plus agir comme il a agi en boudant après un match où il n'a pas joué contre Barcelone. Il ne peut pas se le permettre. S'il n'a pas joué, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc c'est pour ça. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration pour Oussem Aouar, mais voilà, moi j'ai confiance. J'espère que ça va le faire. J'espère vraiment sincèrement que ça va le faire avec lui. Tanguy Ndombele, 58 passes réussies sur 68, ce qui est pas mal. 9 passes réussies dans le dernier tiers sur 12, ce qui est très bon. Un duel réussi sur 3, très bon aussi. 9 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match. Et puis, record du match, pardon, excusez-moi. 4 tacles réussis sur 5, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. Et 3 fautes subies, record du match. Un très très bon match de la part de Tanguy Ndombele en tout cas. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils doivent intéresser les grands clubs et qu'il fait tout pour faire des grosses prestations, mais sincèrement, ça fait 2-3 matchs qu'il est au top niveau, Tanguy Ndombele. Ses prestations sont très très bonnes. Alors, c'est des prestations où il est beaucoup plus bas sur le terrain, et quand on regarde la position moyenne des joueurs sur le match d'hier, on voit très clairement que Tanguy Ndombele est en premier relanceur. Il est juste devant la défense, juste devant nos deux défenseurs centraux. Mais voilà, c'est un organisateur de derrière, c'est un peu ce rôle de Regista, c'est un joueur box-to-box, vraiment qui a de grosses capacités, et Jean-Michel Aulas veut le vendre absolument au Paris Saint-Germain, c'est en tout cas ce qu'il a dit, mais vraiment je pense qu'il ne restera pas avec nous Tanguy Ndombele, ce qui est très dommage, il va partir sous d'autres cieux parce qu'il a une valeur marchande qui est très bonne. Moi je parle de 55-60 millions maximum, mais voilà, on nous annonce des sommes entre 80 et 100, donc il faudra voir ce qui se passe pour Tanguy Ndombele. Mais voilà, ça a été quand même un de nos joueurs très forts sur les deux dernières saisons, mais lui aussi a joué, je pense, diminué physiquement, et
pas toujours très très constant dans les matchs dits petits, dans les petits matchs. Il n'a pas toujours été à son niveau, mais vous voyez, un grand club étranger, je pense, fera progresser cette mentalité. Memphis Depay, titularisé à la place de Nabil Fekir en tant que meneur de jeu. Et bien Memphis Depay, il a produit une première mi-temps assez catastrophique avant de vraiment, vraiment se rattraper avec, avec ses deux buts. Deux passes clés pour lui. Franchement, c'est pas mal du tout. 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, ce qui est très bon. 2 centres réussis sur 4. Record du match, tout simplement. Et puis, il conclut vraiment sa saison au Groupama Stadium, hein, parce qu'il reste encore un match, bien évidemment, avec 12 buts, toute compétition confondue pour lui. C'est quand même une bonne saison. Voilà, il a été critiqué. Il a été critiqué par le fait qu'il n'ait pas été là dans les grands matchs, qu'il ne nous ait pas porté finalement comme la saison dernière. Mais mine de rien, il est toujours là quand il le faut. Il a été rarement blessé, voire pas du tout cette saison. Memphis Depay, c'est un élément clé de notre équipe, et le laisser partir aujourd'hui, ce serait peut-être dommage, même si, bien évidemment, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Thomas, tu retournes ta veste, t'as dit que t'en voulais plus, qu'il avait pissé sur le club. » Oui, effectivement, je pense qu'en termes de mentalité, il va falloir aussi progresser, il va falloir mettre ces joueurs-là au diapason, parce qu'ils n'ont pas le droit de tenir des propos comme ça pour mettre une quelconque pression. Ça, je le maintiens, parce que ça peut vraiment nuire à un groupe, nuire à une institution, entre guillemets institution, parce que c'est le mot aussi à la mode. Ça peut nuire tout ça, et ça peut nuire aussi pour la relation avec les supporters. Donc moi, je ne suis absolument pas pour ce genre de déclaration qui est affligeante. Mais la vérité, elle est sur le terrain, elle est sur ce que le joueur montre. Et ce que le joueur montre depuis le début de la saison, même s'il y a, bien évidemment, comme toute l'équipe, parce que tout le monde est responsable, il y a des intermittences, eh bien, ce qu'il montre tout de même, c'est un joueur impliqué, c'est un joueur qui a faim de but aussi. Parce que quand il marque ses buts hier, il était très très heureux, vraiment, on l'a senti enragé. Donc peut-être qu'on aura la chance ou pas de le garder, on ne sait pas. Parce que il faut le rappeler aussi, il est à l'hôtel Memphis Depay, ce qui veut dire que il est plus probablement sur le départ que sur le fait de rester. Mais on verra bien, en tout cas, très très bon match de la part de Memphis Depay. Martin Terrier, l'homme en forme de cette fin de saison, titularisé, très régulier en ce moment. 2 passes clés pour lui, 2 duels réussis sur 3, record côté lyonnais dans ce match, et 2 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Martin Terrier qui a fait un très très bon match aussi sur son côté, toujours très très impliqué dans les actions offensives et défensives de notre équipe. Quand même, il est de mieux en mieux, je trouve, dans le repli défensif. Et puis offensivement, il est chirurgical, hein. C'est vrai qu'il tire sur le poteau dans un angle très très fermé, ce qui permet d'ailleurs à Maxwell Cornet de marquer. Mais très très sincèrement, Martin Terrier, j'ai beaucoup de... Pas d'admiration, c'est pas de l'admiration pour l'instant, mais j'ai beaucoup d'espoir en lui pour la saison prochaine. Je suis très très confiant. Peut-être même essayer de le réaxer, parce que je trouve qu'il apporte moins sur un côté. Au final, son poste de prédilection, je pense que c'est soit derrière les attaquants, soit en pointe. Donc peut-être que ce sera à resituer avec lui. Mais bonne première saison, en tout cas, du côté de l'Olympique Lyonnais pour son temps de jeu. Je trouve que c'est tout à fait correct, les gones. Et puis Maxwell Cornet, titularisé une nouvelle fois, lui c'est l'homme un peu de la fin de saison. On va pas se mentir, il y avait eu Memphis Depay la saison dernière, et puis cette fois-ci il y a Maxwell Cornet qui a eu une saison particulière, avec des énormes coups d'éclat, des propos élogieux de la part de Guardiola sur les deux confrontations contre City où il était au-dessus du lot. Et puis des moments un peu plus compliqués où il a raté ses prestations, il a été blessé, et sur cette fin de saison, Bruno Genesio lui fait confiance, et cette confiance elle est vraiment réciproque, puisque Maxwell Cornet l'a restitué sur le terrain avec des prestations vraiment très 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 bonnes. Maxwell Cornet, il fait une belle saison, parce qu'il est quand même à 10 buts, 5 passes décisives quand même sur l'ensemble de la saison, et puis 3 buts et 2 passes décisives lors des deux derniers matchs. C'est quand même des prestations de très haut niveau. Je ne sais pas s'il restera, je ne pense pas, mais en tout cas il valide sa sortie de la plus belle des manières. Joueur toujours très combatif,
Et puis quand il se donne les moyens et qu'il trouve un peu de réalisme dans ce qu'il fait, il est excellent. Parce que même sur ses passes décisives, elles sont pas faciles à mettre, hein. Il faut une dose de réalisme, il faut une dose de... Voilà, il faut être là au bon moment, il faut faire la passe au bon moment, il faut doser, c'est très compliqué. La passe qu'il fait notamment à Memphis Depay, elle est fantastique, je trouve, dans son dosage, dans tout ce qu'il fait. Le but en lui-même aussi est très beau de Memphis Depay, mais voilà, c'est un joueur qui a cette capacité, il a des grosses capacités à faire la différence. Moi, je le vois vraiment du côté du championnat anglais, les yeux fermés dans un club qui, même dans un club un peu plus haut que le milieu de tableau. Moi, je le vois bien, par exemple, à Everton. Bref, ce n'est que mon avis. Et on finit par Moussa Dembélé. Lui aussi, c'est l'homme en forme, le super sub d'Europe, le remplaçant qui marque le plus de buts sur les 5 grands championnats. Moussa Dembélé, lui aussi, il fait une... On peut dire ce qu'on veut, mais Moussa Dembélé, il a fait une grosse, grosse saison où vraiment il a été chirurgical. Alors le seul point noir à son tableau hier, c'est le pénalty raté face à Brice Samba. Mais sinon, il a été très, très bon dans tout ce qu'il a fait. 2 passes clés pour lui, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 15, ce qui est le record du match tout simplement. 3 duels offensifs réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis, 20e but, toute compétition confondue pour Moussa Dembélé. 15 buts en championnat, ce qui le place à la hauteur des Florian Thauvin et même des Neymar, même si Neymar a été blessé pendant un petit moment. Rendez-vous compte quand même de la performance de Moussa. Elle est tout à fait notable. C'est un joueur qui est un peu différent dans son profil. C'est un joueur très puissant, c'est un joueur de pivot, c'est un joueur qui a beaucoup de réalisme. C'est un joueur qui est sur une phase de progression, je pense, intéressante. Est-ce qu'on aura la chance de le garder, Moussa Dembélé? Ce n'est pas sûr, puisqu'il y a une offre de 45 millions de la part de Manchester United. Oui, il est taillé champion anglais, mais on en aura besoin. On aura besoin de certains de nos joueurs qui ont été les plus performants cette saison pour construire, reconstruire. Reconstruire autour de Silvinho, parce que Jean-Michel Aulas l'a confirmé, ce sera bien un tandem Juninho-Silvinho. Juninho qui sera manager sportif et puis Silvinho qui sera entraîneur. Ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, c'est que Juninho a choisi Silvinho. Voilà, donc ça met un petit peu aussi la pression sur Juninho. Voilà, beaucoup d'entre vous, j'ai lu tous vos commentaires. Alors, c'est mitigé. On pouvait s'attendre à une pointure. Au niveau du coaching, on aurait pu penser à Mourinho, qui a d'ailleurs pas fermé la porte à la Ligue 1. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense qu'il faudra attendre de voir vraiment les premiers matchs, les premiers mois de Silvinho et Juninho à la tête de notre club, du sportif, pour vraiment se donner une idée. Mais moi, je reste un peu sur ma faim en me disant qu'on aurait pu mettre tous les moyens sur un José Mourinho qui nous aura apporté une dimension internationale, qui nous aura apporté cette expérience de coaching incroyable aussi, parce que mine de rien, Mourinho, c'est quand même un entraîneur de top niveau mondial. On va pas se mentir. Là, je suis un peu ce qu'il fait en tant que consultant sur Bein Sport du côté du Qatar. Ah, je le trouve avec beaucoup de charisme, c'est un personnage et c'est quelqu'un qui quand même fait passer votre club dans une autre dimension. Vous auriez dit, tiens, Mourinho en partance pour l'Olympique Lyonnais, là vous vous dites, waouh. Même si on a vu que ces derniers mois à Manchester United, il a été exécrable avec tout le monde, je pense que c'est un personnage et c'est quelqu'un qui peut apporter énormément, même à des jeunes joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que je reste un petit peu sur ma faim. Silvinho, pourquoi pas, il a côtoyé des très grands entraîneurs, il a eu le temps de peaufiner tout ça. Mais vous voyez, il n'y a pas cette expérience. Silvinho, on ne sait pas vraiment qui il est. Alors bien sûr, il y en a qui me disent que sur RMC, on aurait dit de lui qu'il était... Enfin, c'est Mancini qui aurait dit de lui que c'était un entraîneur, porté sur l'offensive, sur le pressing haut, etc. J'attends vraiment, vraiment de voir les Guns ce que ça va donner. Il arrive dans ses valises avec... Comment on dit ça,
l'analyse vidéo, pardon, de la Célessao, qui est un spécialiste des statistiques. Vous voyez, je vous donne des statistiques. Ça peut paraître pas terrible. Il y en a certains qui n'aiment pas les statistiques que je donne. C'est vrai que ça fait un peu. Il nous donne des stats. Pour moi, ça montre quand même ce qu'a apporté vraiment le joueur en termes de chiffres. Et ça, pour moi, c'est une donnée qui est très intéressante. Alors peut-être que la manière dont je les donne, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Et puis surtout, ça fait 25 minutes que je vous parle et que c'est un peu long, on débrief, mais donc je vais vite m'arrêter là. Voilà, Bruno Genesio, lui qui est passé devant la presse, qui a remercié le président Aulas surtout, et puis tous ceux qu'il a côtoyés pendant ces trois saisons du côté de l'OL, que ce soit à la comptabilité, etc. La phrase qu'il dit qui est intéressante, j'espère pour les supporters lyonnais, les supporters lyonnais plutôt devraient prier pour que le président Aulas reste le plus longtemps possible. On verra bien en tout cas, changement de cap côté Olympique Lyonnais, la troisième place est assurée, donc c'est déjà une grande réussite. Voilà les gones, j'en ai fini, regardez il fait pas très très beau à Lyon, c'est pourtant on est quasiment fin mai et c'est pas terrible du tout. Ça doit être partout pareil, je pense, en France. Bref, dites-moi vous les gars, ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous êtes soulagés? Enfin, on ira en Champions League. Bien, avec ton préliminaire ou non, mais dites-moi tout. Vraiment, j'attends avec impatience tous vos retours. Voilà, et dites-moi qui vous avez trouvé bon dans ce match. Et est-ce que vous dites, ça y est, enfin, on passe à autre chose. Silvinho, Juninho, on passe à autre chose, fin de cycle. Bref, voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche, les gones. À très très vite.